la trichromie. La trichromie est un procédé de synthèse de couleurs. La trichromie permet de reproduire un grand nombre de couleurs à partir de trois couleurs primaires. La trichromie utilise les propriétés physiologiques de l'œil. En effet, l'œil humain est constitué de trois types de cônes. Les cônes sensibles à la lumière rouge, à la lumière verte ou à la lumière bleue. Chaque cône est sensible à une gamme de longueurs d'onde, qui couvre ainsi l'ensemble des longueurs d'onde du spectre visible. La trichromie est une technique utilisée pour la télévision, l'imprimerie, la peinture, la photographie, le cinéma. Exemple en synthèse additive. L'écran du téléviseur est constitué de pixels. Chaque pixel est lui-même constitué de luminophores rouge, vert et bleu. Chaque luminophore a une luminosité différente. La combinaison des trois lumières colorées permet de reconstituer l'ensemble des couleurs. Lorsque seuls les luminophores rouges sont allumés, la couleur observée sur l'écran est le rouge. Lorsque les luminophores rouges et bleus sont allumés, la couleur observée est le magenta. Lorsque les luminophores rouges, verts et bleus sont allumés, la couleur observée est le blanc. Exemple en synthèse soustractive. Le détail d'une affiche montre que des taches circulaires de couleur cyan, magenta et jaune sont imprimées. La combinaison de ces trois pigments permet de reconstituer l'ensemble des couleurs. Une photographie est réalisée en superposant plusieurs couches de colorants de couleur cyan, magenta et jaune. La superposition de ces colorants permet de reconstituer une photographie en couleur. Par exemple, cette photographie a été obtenue en superposant trois couches de cyan, de magenta et de jaune.